Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout bienvenue à votre émission d'actualité locale et régionale, l'émission Érable en bref du 4 mai. Ici Lydia Jacques. Aujourd'hui, nos invités à l'émission sont en entrevue. Alain Saint-Pierre, maire de Saint-Albert, mais également préfet de la MRC d'Arthabasca. Le sujet, c'est pourquoi Alain Saint-Pierre a accepté notre invitation. C'est afin de mieux comprendre, et ça va nous aider, on veut mieux comprendre les raisons du pourquoi on prend finalement la décision de quitter le monde politique. L'hiver fait maintenant partie de notre pensée eh bien, en temps de pandémie. Le club de ski de fond La Loutre de Plesséville a connu vraiment une explosion de skieurs et skieuses. La TVC reçoit donc Madame Francine Charret, qui est la présidente du club La Loutre. Pour l'instant, voici vos nouvelles. Eh bien, Cascade s'implique au niveau de la vaccination euh, du côté de Kings and Falls. Alors, tout est prêt pour accueillir la population pendant une durée de trois mois. Tout se fera au centre de Services partagé Laurent Lemaire, soit au 412 boulevard Marie-Victorin. Le président et chef de la direction de Cascade, Mario Plourde, se dit prêt puisque l'endroit a la capacité de vacciner. 400 personnes par jour et Cascade a l'intention d'atteindre son objectif, soit 15 000 personnes en trois mois. Évidemment, tout sera réalisé avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du centre du Québec autobus Voilet adhère à la démarche des deux initiée par la Corporation du développement durable. L'impact de cette action propulse autobus Voilet à entrer dans le groupe des grands leaders en développement durable. La famille Voilet va donc continuer de poser des actions liées au développement durable. Soulignons que autobus Voilet s'occupe du transport scolaire dans une dizaine de municipalités. Tabasca, mais également de l'érable. L'entreprise possède déjà deux autobus scolaires électriques. Cela permet de réduire de 23 tonnes les émissions de gaz à effet de serre et cela par année. En terminant, voici la plus récente séance du Conseil de ville extraordinaire de Princeville qui a eu lieu le 26 avril le dernier. Alors trois dossiers ont donc été traités. Alors il s'agit euh, premièrement de cette demande qui a été adressée au programme d'aide à la voirie locale dont le but est de réaliser des travaux routiers dans le dixième rang ouest euh, pour un montant de 1 000 dollars pour la valeur totale du mois du projet. La ville ira également de l'avant avec l'achat d'un tractopelle au coût de 150 dollars, un partenariat de deux ans également avec le club de golf de Victoriaville, puisque le conseil a mentionné qu'il y aura un événement golfique majeur d'envergure prévu pour le mois d'août de cette année. Et le conseil tenait également à préciser que le club de golf de Princeville est géré par le club de golf de Victoriaville. Une entente de deux ans d'une valeur de 10 000 dollars afin que cet événement se déroule chez nous. Et voilà, cela complète ce bulletin d'actualité locale et régionale. Et maintenant, visionnons ces deux entrevues de nos invités. Aujourd'hui à l'émission Érable en bref, eh bien nous allons parler avec Alain Saint-Pierre. Alain Saint-Pierre, vous le savez depuis le 8 mars dernier, il a annoncé qu'il n'allait pas se représenter du côté euh, électoral aux élections donc municipales en tant que maire. Et les impacts de tout cela, eh bien rien de mieux, rien de tel que de jaser avec Alain Saint-Pierre. Bonjour monsieur Saint-Pierre. Bonjour Lydia. Alain Saint-Pierre, euh, j'aimerais ça qu'on parle justement parce que Combien d'années en politique? 20 ans. Bon, 20 ans. Quatre années comme conseiller, 16 ans comme maire. Et là, vous avez pris la décision de dire je me représente pas. Pourtant, la population, après 20 ans avec un maire, vous n'avez jamais eu de. Euh, C'était toujours sans opposition, finalement. Oui, hein? Effectivement. J'ai été chanceux ou le travail a été bien fait. J'ai jamais eu personne qui s'est présenté euh, contre moi. Mais il faut dire qu'on a toujours eu à Saint-Albert euh, des conseils municipaux qui étaient très, très solides. Bon conseiller, bon conseillers. Fait que dans ce temps-là, c'est facile, beaucoup plus facile d'être un bon maire quand tu as des bonnes personnes qui t'entourent. Puis effectivement, après 20 ans, j'ai commencé ma réflexion un petit peu avant les fêtes. Je m'étais donné la période des fêtes pour euh, prendre une décision. Est-ce que j'étais tanné? Non. Est-ce que j'ai la passion? Et puis là, pas du tout. J'ai encore euh, j'aurais pu facilement refaire un 4 ans, naturellement si la population aurait voulu de moi. Là. Il ne faut jamais prendre rien pour acquis en politique. C'est simplement qu'à moment donné, j'ai dit écoute, après 20 ans, j'ai le goût de passer plus de temps avec mes enfants, avec mes petits-enfants, avec ma blonde. J'ai le goût de, de, de faire autre chose. Fait que C'est ce qui m'a amené à prendre la décision de me retirer de la vie politique. Est-ce que le fait d'être en pandémie a quand même influencé votre choix? Pas du tout. En ce qui me concerne, je me suis adapté à la pandémie. Nous, on est chanceux, là. Moi, je suis chanceux. J'ai toujours eu la santé. J'ai pas eu de problème. Tous les gens autour de moi, ils ont rien eu. Effectivement, c'est sûr que la pandémie est bien plate, là. Mais tu lâches pas. En tout cas, en ce qui me concerne, je lâche pas la vie politique pour la pandémie. Au contraire, on, on était capable de, on était très résilients. On a trouvé d'autres façons de faire. On a fait ça dans, en virtuel. Oui, c'est moins chaleureux. Puis oui, quelque part, au début, on a trouvé ça difficile. Mais on s'est adapté tous et chacun, autant au niveau de la MRC qu'au niveau de la municipalité. Mais non, euh, ça n'a aucun rapport à ce qui me concerne la pandémie. Donc, euh, après l'annonce, est-ce qu'il y a eu quand même une, une onde de choc, je m'imagine, citoyenne? Exemple de Saint-Albert, ah oui. euh, vous avez eu des réactions. Là. Oui, écoute, ça n'est même drôle parce que, il y avait une personne dans mon entourage proche, conseiller-conseillère, c'est-à-dire qui savait que j'avais donné mon information, que je quittais la vie politique. C'est mon grand chum, Dominique Poulain, qui est également Dominique euh, conseiller depuis de nombreuses années. Le soir du 8 mars, le conseil municipal, moi, j'ai toujours fait les choses par respect. Je trouvais que c'était normal que mes, les, mes élus et ma population soient au courant de la situation. Puis par la suite, bon, ça va plus large en tant que préfet, là, naturellement, mais euh, c'était drôle parce que les gens ont... le soir j'ai annoncé que je me retirais en huis clos là au mm -hmm. début, j'avais comme l'impression qu'un reçu un bat de baseball les faces là, on je les ai regardées, là, c'est comme ils se questionnent qu'est-ce qui se passe ça, ça le pris jusqu'à la prochaine rencontre, mais entre-temps tout de suite le, le lendemain et puis là ça passait dans les journaux locaux, ça passait à la radio là, j'ai eu beaucoup beaucoup de commentaires. Vraiment des gestes d'amour, des gens qui ont, qui ont aimé travailler avec moi, qui ont aimé la personne. Bref, euh, j'ai été euh, très, très chanceux. J'en revenais pas, c'est à coups de centaines que j'ai eu des, euh, des remerciements. Puis ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Bon. Quand c'est touchant comme ça, est-ce qu'on se dit... Est-ce que j'ai pris la bonne décision ou j'aurais pu faire un autre quatre ans pour mes citoyens? Il faut, en tout cas, moi, ce qui me concerne, non, je ne me suis pas posé la question. D'avoir tous ces commentaires-là, je suis très heureux, ça, ça me touche. Même juste en parler, ça fait quelque chose, tu mm. je revois ça. Mais la décision que j'ai prise, je l'ai prise pour moi. C'est sûr, j'aurais pu faire un autre quatre ans, mais j'aurais eu plein, j'aurais eu du plaisir. Là. Présentement, dans mon conseil municipal, au moment qu'on se parle, il n'y a personne qui veut prendre la mairie personne ne la veut, la mairie, là. Fait que là, la question au que jeu depuis un bout de temps, c'est, ah, mais là, Alain, s'il n'y a personne, tu vas y retourner. Non, je ne retournerai pas. Ma décision, elle est prise, elle est réfléchie. D'avoir des bons commentaires comme ça, c'est super le fun, j'apprécie énormément. Mais ma décision est prise, puis je suis très, très serein avec ma décision. Votre réflexion avant de dire, avant, avant l'annonce, là. La, la, la grande analyse que j'ai faite, ça fait 20 ans. C'est les soirs. C'est les fins de semaine, surtout en tant que préfet, c'est les fins de semaine, les soirs. Puis j'avais le goût là, de, de, de la pandémie. S'il y a eu un geste à quelque part qui m'a peut-être fait réaliser, c'est que là, depuis mars 2020, j je ne vois pratiquement pas ma famille, mes enfants, mes petits-enfants. Ceux qui me connaissent, moi, je suis un papa gâteau, je suis un grand papa gâteau, ça me fait de la peine. Mais je le fais parce que c'est ça que, que moi, je considère qu'on doit faire si on veut un jour s'en sortir. Pourquoi je prends ma retraite? C'est que je veux passer du temps que les 20 dernières années, il faut pas se le cacher, là, les 20 dernières années, j'ai été souvent absent. Et quand j'ai été élu la première fois, j'ai été élu dans un contexte assez particulier. Là. Moi, j'ai été élu. Puis quelques mois après, il est arrivé quelque chose dans ma vie. Là, que, bon. Bref, je veux passer du temps avec mes enfants de qualité, puis avec mes petits-enfants, avec ma blonde. C'est vraiment ça qui a fait... Oui, je prends ma retraite politique. Est-ce que... Je vais prendre ma retraite complètement, je ne sais pas. Je prends une année sabbatique, mais il arriverait quelque chose, deux jours/semaine, puis de quoi qui, qui me permettrait d'avoir du plaisir, je le fais, mais j'ai n'ai aucune, aucune obligation de. Je peux arrêter de travailler, là. Puis euh, mon plan de marche avait été fait pour 60 ans. Mm -hmm. On peut le dire parce que les gens. Ça pose sûrement la question, qu'est-ce qui est arrivé pour dire oui, que bien, vous n'allez plus. C'est ça. Plus. Malheureusement, j'ai été, j'ai perdu mon épouse. J'ai été élu en novembre 2005. Puis, en février 2006, mon épouse est décédée subitement. Elle n'était pas malade, rien. C'était, je à peine d'être élu. Donc, c'est sûr que quelque part, ça l'a tout remis en question. Mes enfants étaient jeunes. Fait que je tombais tout seul. Bon, il y a une prise de décision qui s'est prise. Puis, je m'étais dit, je vais faire un mandat de quatre ans. J'avais des raisons que je voulais être maire pendant quatre ans. Puis je m'étais dit, après, ben je verrai. Puis euh, aujourd'hui, ça, ça a continué. Puis aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir dire que c'est moi qui décide de me retirer. C'est pas la population qui dit, bien, va-t'en, Alain, on n'a plus confiance en toi ou tu ne fais pas la job. Au contraire, comme j'ai dit tantôt, les gens aiment beaucoup le conseil municipal de Saint-Albert autant aujourd'hui que les 20 dernières années. Maintenant, parlons des belles réalisations là, de... Hein, au tout début, euh, l'évolution aussi de Saint-Albert. Oui, oui. aujourd'hui, on est. Ça fait drôle à dire, on est 1715 de population. Euh, les belles réalisations, il y en a vraiment beaucoup. Puis quand je dis beaucoup, c'est des réalisations municipales, hein, c'est pas Alain-Saint-Pierre, hein, c'est vraiment une équipe. On a fait des parcs pour en faire un peu partout dans la municipalité, on a des jeux d'eau, on a rénové le, notre, notre salle communautaire qui est le, le, la salle Générale Maurice Barry. On a acheté la caisse à vraiment de très très bon prix pour mettre l'édifice municipal maintenant là-dedans. Avec, On loue on l'autre partie de la caisse. On a également euh, un gymnase qui s'est construit à Saint-Albert. On a un gros projet résidentiel en trois phases. On est rendu à la deuxième. Éventuellement, il y aura 54 nouveaux terrains. Euh, on a eu déjà une phase de 8 ou neuf terrains en 2008, 2007, 2008. Euh, le fait de, euh, de... De laisser la politique, c'est aussi la préfecture, ça. Oui. Euh, parce que là aussi, il y a eu des belles réalisations. Hein. Oui, effectivement. La, la préfecture, c'est quelque chose, honnêtement, je n'avais même pas envisagé, mais pas du mm -hmm. tout. Un jour, euh, on m'a demandé d'être préfet suppléant. C'était correct. Euh, je me voyais très bien dans ce rôle-là. Puis, je l'ai très bien fait. Puis, pour une raison, à un moment donné, le préfet de l'époque a décidé de tirer sa révérence. Les élus euh, me demandaient d'être préfet. Moi, je leur avais dit, écoutez. Mm -hmm. Vous me le direz le soir, vous le direz, Alain, veux-tu être préfet? Moi, j'ai pas fait aucune, aucun téléphone, aucun courriel, j'ai fait aucune sollicitation. Et le soir venu, ben, effectivement, j'ai été élu préfet et j'ai été réélu pour un autre deux ans. D'être préfet, ça demande, ça demande beaucoup de temps. Mais vraiment beaucoup de temps. Dans le fond, un préfet, c'est, façon, c'est le maire des maires. T'sais, on est 22 municipalités, puis entre nous, ben, on, on nomme un capitaine de bateau. C'est le porte-parole, l'ambassadeur de tous ça. les maires. Puis tu sais, il faut pas se le cacher, hein, chaque maire, chaque oui. personne, on a chacun notre, notre personnalité, oui. notre égo. Là. Fait que les 22 maires, mais l'entour de la table, on a chacun nos égos. Fait qu à quelque part, pour être un bon préfet, il faut que tu sois capable de, de t'ajuster. Ben, on a, on a encore là, à la table des on a des bons maires, des bonnes maires. C'est facile de travailler ensemble. Est-ce est qu'on est toujours d'accord? Non. Mm. Mais c'est juste bon qu'on soit pas trop d'accord. L'important, c'est qu'on soit capable de le faire de façon respectueuse. Mm. Puis ça, moi, ça a toujours été ma marque de commerce dans les 20 dernières années de le faire avec respect. Et même, euh, on sait que la MRC voisine, c'est la MRC de l'érable, entre mmh. autres. Alors, oui. vous, euh, parce, souvent on fait des projets bois franc, érable aussi. Est-ce oui. que, est-ce qu'il y en a un qu'on peut parler Exemple, peut-être. Euh... on en a un vraiment un commun, mais c'est pas juste érable. Ben, on y a le parc linéaire, parc linéaire qui est vraiment effectivement euh, Artabaska oui. érable. Mais au-delà de ça, maintenant le centre du Québec, mmh. on est y ensemble et on travaille des dossiers ensemble. La beauté de la chose entre Tabasco et Rab, on se tire pas les cheveux, on n'essaie pas de savoir qui qui est plus gros, qui qui est plus fort, qui qui est plus beau. On travaille ensemble, on prend la peine de se parler. On a, nos directions générales se parlent, c'est vraiment plaisant. Puis avec les dossiers Centre du Québec, mais ben là oui. ça regroupe Drummondville, Tabasco, Rab, euh, Nicolet, puis euh, becancour tout ça ensemble, on travaille ensemble. Il y a quelques années, on aurait, on aurait parlé qu'on voulait travailler ensemble. Mais les gens auraient dit que impossible. Pourquoi qu on réussit à le faire? C'est parce qu'on se respecte. La conclusion, je pense que je vais vous la laisser faire oui. regarder la, la caméra pour Bien parler sûr. à votre monde qui vous ont élu euh, en même temps. Oui. Écoutez, euh, sincèrement, euh, je suis encore à quelques mois près de ma retraite, mais je remercie sincèrement tous ceux à qui j'ai eu la chance de travailler, euh, de côtoyer durant les 20 dernières années. Grâce à vous, je suis devenu une meilleure personne, une meilleure mère. Je suis sincèrement heureux du travail qui a été accompli. Ça s'est fait avec des équipes toujours de très haut calibre. Donc, merci beaucoup. Puis j'aurai sûrement l'occasion de vous revoir sur un terrain de golf ou peu importe. Ça fera toujours plaisir de vous parler. Merci beaucoup. <laughs> Alors, voilà, c'était donc Alain Saint-Pierre, le préfet de la MRC d'Arthabasca et aussi pendant encore quelques mois, le maire de Saint-Albert. Merci pour cette entrevue. Merci, Lydia. Aujourd'hui, à l'émission Érable en Bref, nous allons vous parler de ski de fond. Ah, il n'y a plus de neige! Ben justement, c'est une excellente raison pour avoir bien sûr des invités. Alors on s'est dit on va leur enlever la neige comme ça on va pouvoir les interviewer. Alors notre euh, premier invité euh, parce qu'ils seront deux, on va interviewer Madame Francine charret qui est la présidente du club de ski de fond La Loutre et aussi on aura l'occasion de parler avec Jean-Claude Turcotte. Je vais d'abord le saluer. Bonjour Monsieur Bonjour, Turcotte. Alors vous vous êtes vraiment le fondateur du club de ski de fond La Loutre. Ouais. Vous êtes de Plessisville, ouais. finalement. Et euh, comment vous est venue l'idée? C'est ça, on va prendre le départ, là. Parce que le club de ski de fond, la Loutre, euh, comment tout ça a commencé? Je pense que vous avez une belle histoire à nous raconter là-dessus, hein? Bon, disons que je faisais du ski alpin, puis ma femme elle avait peur. Elle avait peur de faire ça, fait qu'on a dit, genre, je vais faire du ski alpin le samedi, puis le dimanche, on va faire du, du ski de fond. Fait que c'est ça qu'on a fait. Mais quand on est allé faire du ski de fond, on faisait tout le temps la même trail. On, on, a, dans, on appelle ça la ligne du Bel, Oui. Parce que c'était plus large, c'était anciennement, c'était le Belle qui était là. Fait qu'on montait sur un bord, puis on descendait sur l'autre bord. on rencontrait tout le temps les gens. C'était tout le temps les mêmes gens qu'on rencontrait. on les connaissait tous. Deux semaines après, je lui ai demandé à mes on m'a dit, on va aller faire un ski, mais dans le bois. Je connaissais le coin, fait On a rentré, puis on a sorti avec c'est M. Dubois. Mm -hmm. Puis on est revenu par euh, le champ, puis ça. C un peu plus tard, quand on partie de la foire nous le 21 décembre 1974, il me semble. Oui. là J'ai vu Louis Bécotte, mais je le connaissais, et il, il faisait du ski avec sa femme aussi. J'ai demandé pour m'aider. Mm -hmm. Il dit oui, vais, on ferait, ça sera le fun. Oui. Fait on a parti un heure dans le premier lieu avec nos petites tâches, mais on ne m'a coupé pas de bois parce que c'était pas par permission, on m'a coupé les pour pouvoir passer. Mm -hmm. Puis on a sorti à Clarence-Monsieur-Dubois, mais après ça, il y avait un chemin. Fait on, ça on, facile, on ne fait rien qu'à faire le tour après ça. Mais deux semaines après, et il y avait beaucoup de monde, on se pilait les j'ai demandé à Louis s'il si voulait m'aider encore pour continuer. Il a dit oui. Fait que là, on a continué, puis on a sorti chez M. Goudreau, puis on a fait la 5 avec M. Blondeau. On sortait chez M. Blondeau. Mais il y avait un pli, puis il y avait trop de neige, on calait là-dedans, puis tout ça. Fait que là, ça restait la première année, mais c'était la deuxième année que deuxième ou troisième année, ça a changé de place parce que c'était pas possible à tourner et qu'on calait trop. Mm -hmm. Et là, est-ce que ça prenait des autorisations? Comment ben dans, ça le fonctionnait? Temps, je, je, dans le temps, je n'avais pas d'autorisation, je m'en allais, <laughs> allais comme ça. OK, bon, Mais, vous mais dites... on ne coupait pas de bois, pardon. On ne ouais, coupait rien, ça ne faisait pas de mal. Là. Mais c'est après euh, qu'on a eu les autorisations. Parce que là, vous, vous allez fonder en 1974. 74, ça, c'est ça. Ça, faisait, ça restait là. On a vu ce que c'est. Ils se portaient une piste de ce qu'ils te font à civil. Mm -hmm. Fait que là, j'ai téléphoné à Oui, j'ai dit, ouh, je suis parti ça. Fait qu'ils ont dit, c'est au Mont-Pic. Ah, mais j'ai dit là, ils ont dit, il en a une, tu sais. J'ai dit, pourquoi faire pour la garder, celle-là? Mais là, il ne va pas trop. Et ils ont dit, OK, on va garder les deux. Mais ils ont dit, la principale, ça va être le Mont-Pic. J'ai dit, OK, pas de problème, on va m'occuper de celle-là. Il m'a mené dans l'hiver, moi. Euh, je voulais avoir, euh, je voulais finir un petit, un petit chalet dans le trou. Ça coûtait 40 J'avais demandé à M. Dionne, m. le président, il a dit non, on m'a rien ici, c'est tout. Au mont ici, on m'a rien. Bon, fait que j'ai dit, on va faire l'affaire. L'année prochaine, tu t'occuperas du mont puis moi, je vais m'occuper... C'est où la loutre pour ceux qui ne savent pas exactement? À l'arrière de la polyvalente. Bon, c'est ça, ça que je disais, à l'arrière de la ça. polyvalente, voilà. Là, M. Diane, il m'a rencontré une semaine ou deux après, dans le passage à Forando. il y a des gens qui ont dit il y en a fait qui ne savaient pas. Et il dit ça prend une charte. Ah, euh, celle-là, je ne la savais okay. pas. J'étais allé voir Daniel Bufford, président de la à pêche mm -hmm. Je demande ça à Daniel, ma dit tu as la charte de la à pêche Il dit oui. Il dit tu mapporteras tu Fait que là, j'explique ça. Et il dit oui. Il dit allez voir un les mots. Mm -hmm. la main. en enfin fait, c'est le c'est ça que ça fait. On lui achète trois mois après. Puis le petit chalet, c'est euh, construit quand Ça a été dans le temps de Francine, okay, ça, okay. là, c est, c est construit. Moi là, j'ai. Bon ben, si c'est dans le temps de Francine, je pense qu'on va lui parler également euh, okay. à Francine. Ouais, bien. Ben, merci beaucoup. Hein? Bienvenue. Reste avec nous dans quelques instants la présidente euh, du mm -hmm. club de mm -hmm. ce qu'ils font mm -hmm. la Loutre. Alors cette fois-ci, on avait hâte de l'entendre. Alors Madame Francine Charret, donc la présidente actuelle du club de ski de fond, donc la Loutre. Alors bonjour Francine. Bonjour Lydia. On va parler un petit peu de, de Monsieur Turcotte, que vous connaissez bien oui. quand même là. C'est une personnalité. Oui. Monsieur S'il n'y avait pas eu des hommes comme Monsieur Turcotte, le club de ski de fond de la Loutre existerait pas. C'est à lui de que. En tout cas, la grâce à lui, qu'on peut profiter de, de ce beau site-là aujourd'hui. Oui. oui. Avec M. Turcotte, on est parti en 1974. Donc, on, a, on était rendu à la piste numéro 5. Donc, après. Euh, donc, vous, vous êtes rentré en quelle année dans le club? Oh, mon Dieu, ça doit faire au moins 30 ans que je fais du ski de fond. Ah, mais je n'ai pas toujours été sur le conseil d'administration. Sauf que. Euh, J'allais faire du ski, je, ben, ben, je me disais, tant qu'à faire du ski, avez-vous une paire de, de sécateurs je vais couper les, les branches qui dépassent. Puis tout ça. Il y avait un petit refuge dans ce temps-là qui appartenait à M. Trépanier. Un, je sais pas au juste à quoi ça servait. En tout cas, c'était une petite cabane qui était proche d'une petite cabane à sucre. Puis moi, je me ça aller faire l'entretien, mais c'est beau, parce que une fois que je suis arrivée, puis il y avait une petite famille qui était en train de manger. Il y avait une table, il y avait un petit poêle. Puis la madame a dit aux enfants, après, passez le balai, là pareil comme chez nous, pour garder ça propre. J'ai trouvé ça le fun. Fait que j'ai dit, hey, regarde, quand nos, nos, nos installations sont propres, les gens font attention. Fait que, mais tu sais, j'ai toujours euh, essayé d'améliorer les choses. Bon, parlons-en. Pourquoi, première, vous avez choisi de devenir présidente? <laughs> choisi c'est un grand mot. Ça. Euh, quand M. Caméry, le, le président qui était là avant moi, il a fait tellement, tellement d'ouvrages. C'était incroyable que personne voulait prendre la relève parce que c'était des grosses chaussures, des grandes chaussures à prendre. On fait euh, enfin, l'Assemblée générale, il faut vraiment nommer quelqu'un, puis tout le monde dit, non, non, non moi, je n'en veux pas, je veux pas. Fait que, finalement, il restait moi, j'ai dit, je suis prêt à prendre la présidence, mais à condition que chacun, je vais avoir l'appui mm -hmm. de chacun, que chacun fasse, on va séparer les mandats, chacun va faire son mandat. Je suis si je peux compter sur vous autres, je vais accepter la présidence pour deux ans. Puis, euh, donc dire. votre règne se termine cette année aussi, oui. Hein, oui. C'est ça. Oui. Alors on va parler du développement dans deux ans. C'est quoi vos les réalisations pour le club Ah oh, mon Dieu Depuis deux ans, c'est sûr qu'on a bâti un nouveau refuge, un grand, oui. dans la piste numéro 3, parce que c'est la piste qui a cinq kilomètres, donc celle qui est beaucoup empruntée par les petites familles. Ah c'est vrai. C'est le fun que si on froid ou n'importe quoi, ils peuvent rentrer pour se réchauffer. Il y a trois tables où est qu'ils peuvent manger. C'est quand ouais. même assez grand. Là. On, peut, on peut avoir 18 à 20 personnes dans ce refuge-là. Mm -hmm. C'est très, très bien. Après ça, c'est sûr qu'on nivelle toujours. À chaque année, on fait des, des nivellages de certaines pistes parce qu'on est dans le bois. Donc, ce n'est mm -hmm. pas nécessairement égal. On a acheté un nouveau VTT. Ensuite, l'année dernière, j'avais fait application sur un programme du Grand Défi Pierre-Lavoie. Oui. Et, et on oui. a eu la chance d'être choisis. Oui. Donc, ils nous ont donné 32 paires de skis, 34 paires de bottines et 34 paires de bottes. La condition pour nous autres, pour avoir tout ça, c'était d'accepter les enfants de 12 ans et moins gratuitement. C'est pour nous que ça ne faisait pas de mais problème. On acceptait déjà ceux de 11 ans et moins gratuitement. C'était juste un an de plus. Puis, euh, avec ça, on ouvrait aussi aux écoles. Toutes les écoles primaires peuvent venir faire leur classe. neige au club de ce qu'ils font la loutre. C'est gratuit pour tous les enfants. C'est une belle, euh, belle affaire. Au lieu d'aller à l'extérieur, ils viennent chez nous. Donc, en l'espace de deux bien. ans, ça, ça a quand même beaucoup avancé? Oh, oui. Puis là, avec la pandémie, c'est sûr qu'il y a eu une reconstruction, un peu un euh, réaménagement oui. du local. Euh... Mais on n'a jamais fermé, hein, à cause de la COVID. Euh, le non, plus, non. Nous autres, non? on est ouverts parce que cette année, on, avec le conseil d'administration, bon, on s'est, tu sais, les, 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 ils parlaient beaucoup de la santé mentale. Déjà, ils sont confinés, ils sont dans leur maison, puis surtout les verts, mm -hmm. ils n'ont rien à faire. Tous les, euh... Fait qu'on a dit, nous autres, on, on a la solution peut-être à leurs problèmes. On va ouvrir, on va réaménager le local. On va faire venir la santé publique, savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on a le droit de pas faire. Fait que sûr, on a rencontré la santé publique, tout a été fait, on a réaménagé le local, on a fait une billetterie extérieure, on a fait des mesures de, de, de vraiment de distanciation à l'extérieur. Puis même en dedans, quand les gens venaient louer, c'était deux bulles à la fois qui étaient vraiment séparées. Euh, on a trois refuges maintenant dans les ouais. pistes. Fait que ça, partout, ouais, on a mis les, les pancartes. La là. piste 3, les la autres La piste 3, les la, 3 la 5, la 9. On a d'autres pistes au travers ouais. de ça. Combien de pistes? Ce... Euh... On a 22 ah. km de ski de fond. Êtes-vous prête à nous dire que peut-être à cause de la pandémie, il y a eu une explosion, les gens voulaient faire du ski de fond? Oui. De la fréquentation? Et oui, c'est ça qui est arrivé. C'était parce... la seule place sur ce qu'ils pouvaient aller? Puis c'est vraiment. de l'air, oui. là. Sortir, ils peuvent sortir tout seuls, ils peuvent sortir en famille. Oui. Tu sais, ils étaient, Puis on a des tarifs qui sont vraiment. Tu sais, c'est presque ridicule, là. Mm -hmm. Une famille au complet peut venir pour 85 pour toute l'année. Je vous dirais que cette année, c'était notre. donne des chiffres un peu, là. On a eu 1094 cartes de membres. Et avant, c'était. L'année dernière, c'était 700. c'est une belle augmentation. C'est une très grosse augmentation. Oui. Ça fait beaucoup de monde qui passe. Mm -hmm. Ensuite, les locations, c'est pareil. Dans les locations, on est près de 2000 locations de ski. Ben, c'est... Mm -hmm. On n'a jamais... jamais Vous rentrez dans vos frais. <laughs> oui, on rentre très, très bien dans nos frais. Mais c'est correct, c'est que ça va nous permettre d'améliorer parce que là, mm -hmm. en plus, on a acheté 40 paires de skis pour les adultes parce qu'on en manquait tout le temps. Oui. Fait que là, la commande est passée. L'an prochain, on va avoir 40 euh, nouvelles paires de skis pour les adultes. Mm -hmm. Fait que, encore là, c'est que ça demande un réaménagement du local parce qu'il faut euh, installer ça. Et en conclusion, votre vision pour euh, l'après, l'après-Francine? L'après-Francine, moi, je, ça va continuer de, de, de toujours aller plus haut parce que là, c'est ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'impliquent au niveau du, du conseil d'administration, qui ont, ils ont des nouvelles idées, c'est des gens qui vont faire du ski dans les gros centres, fait qu'ils ils, ils vont innover, ils vont, ils vont amener, je pense, une autre... Euh, je confirme dynamique. que ça va. Oui. Mais il y a -il un petit quelque chose que vous vous dites. Il euh, me semble ça, j'aurais peut-être eu le temps de le faire. Mais j'ai manqué de temps pour le faire. C'était peut-être une idée. C'est sûr qu'il y aurait plein de choses à faire. Oui. Mais à un bon moment ce n'est pas toujours évident. Parce que c'est sûr qu'on est quand même dans le bois. Mm -hmm. euh, j'ai j'ai contacté plusieurs propriétaires. Mm -hmm. Puis en mm -hmm. passant, je tiens à les remercier. Parce que c'est grâce à eux autres aussi qu'on peut faire du, ce qu'ils font. Et on essaye de... Moi, ce que je dis toujours aux gens, s'il vous plaît, respectez les pistes, respectez. On fait attention parce que les propriétaires, c'est des droits de passage qu'on a. Et c'est fragile. Mm. Fait que si les gens ne font pas attention, euh, on peut perdre nos droits de passage et ce serait vraiment dommage. Donc mm. un gros, gros merci aux propriétaires parce que sans, sans eux, autres, on, ils n'auraient pas de ce font. Félicitations et, et merci euh, beaucoup. Puis merci oui. à tous les bénévoles. J'ai oui. près de 60 bénévoles qui travaillent pour le ce font ça fait bon. beaucoup de monde, là. Merci beaucoup, Francine Charret. Hein? Ben, ça m'a fait plaisir. Un vrai plaisir de vous interviewer. Alors voilà, donc je m'entretenais avec euh, Francine Charret et juste auparavant, vous avez entendu M. Jean-Claude Turcotte du club de ski de fond La Loutre de Plessiville. En espérant que l'émission Érable en Bref vous a plu, vous voulez absolument qu'on parle de vous, allez-y par courriel tvc érable à ou encore... Question de revisionner nos émissions ou encore toutes nos entrevues qui sont individuelles sur notre site, allez sur notre site web tvc.org. Bonne semaine.